Salut à tous, c'est encore Matt et on se retrouve sur Mirror's Edge pour le 5e déjà épisode, je crois. Je pense que je refinis cette session. Voilà, on s'était laissé là-dessus, donc avec cette haute tension, il va falloir contourner la tension. Si je peux dire ça comme ça. Tac, nickel. Chaud. J'avais essayé d'aller dans cet appartement, selon toi. Et c'était juste impossible, parce qu'il était planté la trompe. Donc voilà, haute tension toujours. Ah oui, ça, il y a ça. Tac, toujours la manière bourrine. Normalement, c'est bon. Voilà. On va aller rejoindre l'hélicoptère qu'on a vu. Donc il me semble que cet épisode sera assez long. Il me semble qu'on dirige sur cet immeuble là. Enfin, un peu plus long que d'autres peut-être. Enfin, peut-être pas l'autre parce que j'ai eu pas mal de problèmes de FPS avec physique et tout. Parce que il y avait trop de débris, trop de particules d'un coup. Trop de particules d'un coup. Et que frappe plus la chaleur dans ma chambre, je vous ai expliqué que ça marchait pas vraiment. Hein. Donc du coup, voilà. Putain, la fumée là-bas, elle est spéciale, quoi. Attendez, ça passe, là? Non, je l'ai oublié. D'accord, en fait, il fallait que je descende. Hop. Tac. Oula. On change de décor, là. On est passé du très clair au très sombre. C'est pas étonnant que Robert l'ait choisi. Si des gens s'y rendent en hélico, j'imagine qu'ils seront sur le toit. Là, en principe, c'est un peu mal fait parce que si la lumière vient ici, le monde devrait être projeté là-bas. Mais bon, je sais pas si. Je sais pas comment ça marche. Tac. Ninja. Elle monte. Tu fais quoi? J'ai cru qu'elle était restée bloquée. Oula. Ouais, hein. Pourquoi je préfère marcher debout que. Tu t'en sors? Ouais, je m'en sors. Je m'en sors. Donc je perds des FPS encore une fois. Vous savez quoi? Je crois que je vais refaire une petite coupure. J'ai pas envie que ça bug. Tac, je suis revenu. Oups. Voilà, j'ai enlevé physique. En fait, je dois faire un redémarrage quand je coupe physique. C'est un peu chiant, mais pour vous, ce sera, j'imagine, beaucoup mieux. Là, on parle de notre sœur. Hein. Bon, voilà. Je crois que ça doit être tout con, mais. Attendez, petite coupure, on sait jamais. C'est fou ça, hein. C'est un des passages que je vois à chaque fois. Je crois que c'est tout con et. Ah bah, je crois que c'est ça. Ah, j'y suis. À quoi servait cette barre, j'en sais rien. Il peut y avoir un truc caché, mais bon, je prends le game. Hop, ça me paraît plutôt bizarre par comment je passe là. Mais ça paraît correct, donc allez. Il va y avoir une échelle, non. Non, pas une échelle. Elle est pas montée? Non. Ok. Bon bah c'est bon, ça a l'air d'être bon. Voilà, donc j'ai coupé physique, ça me demande un redémarrage comme je disais, mais je préfère qu'il y ait plus d'FPS que de qualité. Bien que le reste soit au max, hein, à part le crénelage là, mais c'est vraiment physique qui me fait bugger, c'est au niveau des particules en fait. Si vous vous demandez pourquoi j'ai divisé ce truc, c'est parce qu'il y avait un jet
machin qui fait mal. Un truc qui... Putain. Mille. Merde. Sans déconner. Ouais, faut jamais faire confiance à un film. Il est avec Rob Byrne. Je parie qu'il est trempé dans ce projet Icar. Je monte voir ce que je peux trouver sur Pope et Kate. Putain, mais elle est vachement faible. Ce que j'aime bien, c'est que la boue tourne le plus vite possible la tête. Ils disparaissent d'un coup. Ils sont plutôt détendus, c'est cool. Je sais toujours pas quoi dire et commenter sur ce. Oh, tout doux. Je m'en souviens plus de ça. Enfin, si je m'en souviens, mais je me suis. Personne ne tortue, mais... Ok, là tu me tires par une jambe. Non, non, arrête. De conneries, mec. Ok, alors toi aussi, tu peux sauter un truc pour aller. Non. C'est mal, hein. Parlez maintenant. Et vite, parce que vos mains ont l'air toutes moites. Vous avez piégé Kate Connors, hein. La petite fliquette. Ouais. Pourquoi une flic, hein. La politique, c'est pas mon truc. Non, non, Marc. Qui a tué pour vous. Non. J'ai engagé quelqu'un. Qui. Un professionnel. Je l'ai rencontré demain à 2h. À la pléone du centre commercial. Tu les reconnais pas. Et vos liens avec Miller. Hey, si tu veux vraiment savoir tout ça, remonte-moi et je te le dirai. Fais gaffe. Pas d'embrouille ou vous plongez. Ok. Ok. Headshot. Putain, merde, on m'a tiré. Robert est mort. Qu'est-ce que. Les flics vont bientôt s'amener, Faye. Tire-toi de là. Il a raison. On va se tirer de là. Bon bah Rob Byrne est mort. Donc ça veut dire que celui qui a fait tuer le... Waouh, le prétendu maire. Ou alors là, ils vont pas me casser les couilles. Non. Mais quoi? What What. Toi. Ok. Bonjour. Au revoir. Ok. Toujours pas moyen de viser. Ah mais c'est un fusil à pompe. Non. Tiens. Ok. Non. Quoi. En fait, je sais pas si vous avez vu mais... À chaque fois que je veux tirer, il me tire dessus et du coup ça me fait prendre un recul de psychopathe. Et du coup je peux pas aligner en fait. Okay. Mais oh là là, j'ai vraiment pas le temps. C'est dur en normal, hein. En extrême aussi, hein. Je passe la même chose en extrême, ça c'est un tout petit peu plus dur. Ok, là je l'ai pris direct. Il paye la compo. Au revoir. Donc c'est encore un fusil à pompe ça. Il est doucement. Ah, il est dernier. C'est quoi ça? Là voilà, il y avait une. Non, c'est moi qui fais exploser les tonnes, ok. Voilà. Il y avait aussi très facilement moyen de passer directement ici, mais je voulais m'en débarrasser depuis le temps, parce que chaque fois je courais devant. Après il y a marqué urgence en fait. Ah là, oula. Moi je dis votre truc il marche pas bien. Aïe. On va réviser un peu votre... Oula. Aïe. Réviser votre ascenseur, moi je dis. Oui, il y a deux portes. On dirait que Jack Knight avait vu juste au sujet de Rob Byrne. Je me demande qui est ce professionnel qu'il a engagé. J'augmente ton signal, essaie de prier un chemin. Ouais, ça capte pas la rougeur. Alors, c'est par là.
Non, non, il a pas couru sur le mur. Oh, ça m'énerve. Quand il fait pas ce que vous dites. Ce que vous lui dites plutôt. Moi, ça me fait péter des plombs. Parce que vous savez très bien comment faut passer. Là aussi, je me rappelle. Ah non, c'est pas là. Une salle presque pareille où ça désigne un moment un peu clé du jeu. Mais je crois que c'est l'avant-dernier épisode dont je parle. L'avant-avant-dernier. Tac. Je finis ça. J'ai une petite frise, des fois ça m'embête un peu ça. Ok, tac, j'ai même pas le métro passe là. Ouais, Rod, donc il y a eu peut-être une petite mini coupure, hein, c'est normal. C'est voulu. D'ailleurs, je vais mettre sur pause 2 secondes. Et voilà, alors on est parti, hop, ça bug, c'est génial. Hop, hop, I am a ninja now. Yeah. Alors c'est vachement bleu là, qu'est-ce qui se passe, je sais pas. Ouf, voilà. Et monte. Plus vite. Oui, allez. Plus vite. Ok. Allez. On s'en est sorti. Alors. Ouais. D'accord. C'est quoi ici? Et c'est marrant, il me semble pas que c'est par là qu'il faille passer. Si, c'est ça. Ok. Alors, ouais, je me souviens comment faut passer, c'est cool. What the fuck? Ah non, c'est pas là, c'est à côté. Ah non, oui, ok, j'étais presque, mais c'était pas le bon sens. Face. Merci, Face. Alors. Bim. Bim, tac. Hop, j'essaye de me mettre plus près du micro pour que vous entendez bien. Donc là, si vous n'avez pas compris, on a ouvert la porte qui est juste là. Ok. Le truc qu'on a appris, c'est toujours regarder avant de traverser. Et il y a des petits bugs de lumière, je sais pas ce qui se passe. C'est pas très très important, mais... Je sais pas qu'il n'y en ait pas, quoi. Je pense que ça va pas passer, là. Non, ça passera pas. Oups. LOL. Ouais, il y a un bug de lumière. Ok, c'est parti. Je pense que je vais faire ça directement comme ça. Hop. Je vais attendre que ça passe. Et il y a... Aïe aïe aïe. Ils ont sorti le sniper, je crois. On va se grouiller de se casser d'ici. Allez hop. Allez, ouvre. Open the door. Ok. Dedans. J'aurais pu... Ah oui, ça va. Okay. Là, si je me souviens, c'est... Oula. Des petits freeze de temps en temps, c'est trop génial ça. Et les effets d'air et tout. Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a arrêté les pales. Allez. Je sais pas si elles s'en remettent, je vais me tester. Enfin, on va pas tester du moins. Buggy. Ok, ça aussi je m'en rappelle. Je m'appelle que je me foirais souvent.
On va essayer de pas se foirer. Ok, ouais, c'est un jeu, c'est comme les trucs où tout esquiver. Hop. De quoi? Ok, 1. 2, 3. Je sais pas si c'est stylé. J'aurais dû mettre le ralenti juste un peu avant. On va quand même regarder la route. Oula! Esquive! Baissage. Ok. Baissage. Sauter. Gauche. Baissage droite. Ok, baissage gauche. Droite. Ok, non, Roger, là, t'as mis l'écran, là. Non, arrête tes conneries. Arrête. Arrête, arrête. D'accord. Comme ça, il y a une trame qui arrive derrière moi. Ah oui, je crois que je la vois. Ah oui, ok. D'accord, bon, allez, on se casse. Bravo, tu viens de péter la moitié de l'immeuble. Discrète. À quoi tu penses? Shopping. Face, je dois y aller. Vas-y, je sens qu'on va pas tarder à nous.